Aldo Ferruccio et Bruno Cecconi, père de famille et encaisseur au Crédit de Milan. Arthur Giblin, décorateur pour tout le monde et receleur pour quelques hommes soigneusement triés. J'ai la somme, mais c'est pas certain que tes bouchons veillent ça. Il n'a qu'une faiblesse, sa fille. Une cause. Le petit Jeannot. Pour cacher un gosse. Et puis une stène. En liberté provisoire, il continue à vivre en marge de la société. Baceres, détective privé. Monsieur, les menaces n'ont pas cours ici, ni la grossièreté. Chapuis, gardien au musée de la marine. A travaillé toute sa vie. Porno. Raymond Naldi, un bon tireur. Henri Vintran, dit Riton de la Porte. Il ne prend pas les claques dans le dos pour de l'amitié. Nom de Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Denise, sa femme. Raoul Fargier, ex-perceur de coffre-fort. S'imagine que le plus simple est de n'aider personne. Sophie, sa femme, qui, elle, n'oublie pas les services rendus. Jacques Imbert, filature en tout genre. Liliane, une jeune comédienne qui a déjà tout joué. Les sincères et les fourbes, les filles de joie et les bourgeoises. Mais qu'est-ce que vous faites vraiment dans la vie? Polaire. Stark. Chevalier sans armure, spécialiste du geste gratuit, a toujours eu de la chance. Moi, ce que j'ai de bien, c'est mon gauche. Blot, inspecteur à la police criminelle. Ce serait pas grave s'il s'agissait d'un père de famille comme les autres, mais celui-là, c'est Abel Davos. Abel Davos risquait sa tête. Traqué par toutes les polices, il ne cherchait qu'une halte pour sa femme, qui n'avait jamais confondu son mari avec l'ennemi public dépeint par la presse, et pour ses enfants. Et puis si un jour, tu voyais des hommes qui m'entourent, il ne faudrait pas t'approcher, ni crier, rien. C'est qu'on ira. Ici, dans une église. Qu'allait-il devenir ensuite? Il ne pouvait que suivre la voie qu'il avait lui-même tracée. Le voyage serait dangereux, difficile. Le billet qu'il avait pris en gare de Milan, c'était bien un billet classe tout risque. Eh ben, ça me fait plus plaisir que tout ce que tu me dis là. C'est le bout du chemin. Pour qui? Pour l'un des deux. Ou pour tous les deux.